Si c'est monté, hey, c'est zéro. Hein, si tu es aigri, hey, c'est zéro. Hein, Mono mawe mawe si ya ye 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 ye. Si c'est monté, hey, ça va descendre. Hein, Japa, japa o aize, o mono gaze o, japa o aize o, japa e ile o, japa o aize. Azolo agrema o solo. Azolo le yo gremadini solo debuke yi proko crema o solo beze lago ay ay crema o solo. Azolo le yo gremadini solo. Azolo agrema o solo debuke yi proko crema o solo beze lago proko crema o solo. Kalou bon aventure du FC Rouage, tu vois bien. Bon. D'abord, mais je ne vais pas te demander ça parce que on se soucie des gens pour lesquels ou pour qui on a de l'estime. Toi, je n'ai pas d'estime pour toi. Je n'ai aucune estime pour toi. Je ne ressens que mépris et dédain à ton égard. Donc, je ne vais même pas te demander comment tu vas, même si je te souhaite longue vie parce que tu es un humain comme moi. Voilà. Alors, j'aimerais te dire ceci parce que tu as fait une sortie inopinée où tu as incendié, fustigé. À la grande surprise des Ivoiriens, notre icône du football ivoirien, M. Didier Drogba. Alors, j'avais promis de te parler, mais vu l'actualité du moment, je n'ai pas eu le temps. Donc, aujourd'hui, j'ai le temps. Donc, je vais te faire cette vidéo-là et tu pourras, bien entendu, cogiter avec. Alors, j'aimerais d'abord te poser une question, parce que la même question que vous posez à Drogba, il faudrait qu'on vous la pose, c'est important. Vous dites que Drogba a fait quoi pour le football ivoirien? Il a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Mais tu vois, toi et moi, la différence, c'est que moi, là, quand je parle de Drogba, je le fais naturellement, sans 5 francs. Personne ne me paye pour faire quoi que ce soit. Je le fais aisément parce que j'aime l'homme, parce que je sais la contribution qu'il peut apporter au football ivoirien. Donc, je le fais avec le cœur. Or, toi, tu es un acheté. Toi, tu es vendu. Toi, tu le fais pour de l'argent. Donc, ce n'est pas la même chose. Alors, j'aimerais te dire ceci. Drogba a fait quoi pour le football ivoirien? Il a fait quoi pour la nation ivoirienne? Mais c'est peut-être que tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Peut-être que tu ne vis pas en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi tu ne sais pas ce qu'il a fait pour la nation ivoirienne. Sinon, le président Ouattara lui-même, là, il a témoigné devant toute l'Assemblée que quand il allait en Angleterre, là, c'est avec le nom de Drogba, grâce au nom de Drogba, qu'ils ont su de quel pays il venait et où il était président de la République. Donc, si tu ne sais pas ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire ou ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire, c'est que tu ne vis pas en Côte d'Ivoire. Alors, j'aimerais te poser cette même question. Toi, tu as fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Tu as apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Tu as combien de clubs en Côte d'Ivoire? Puisque vous dites Drogba doit créer des clubs, il doit acheter des clubs. Toi, tu as combien de clubs en Côte d'Ivoire? Tu n'es qu'un vendu qui vit dans l'ombre de Sidy Diallo. D'Idriss Diallo, plutôt au père à l'homme de Sidy Diallo. Tu n'es qu'un vendu, un collabo. Voilà la réalité. Donc, toi-même, tu as apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Toi, tu es un traître. Toi, tu nous as trahis en Libye, en plein match. Tu as joué de la merde sur le terrain. Parce que toi-même, là, tu trichais en équipe nationale. Tu ne jouais pas avec le cœur. Tu n'as jamais joué pour la Côte d'Ivoire. Tu comprends ou pas? Tu n'as jamais joué avec le cœur pour la Côte d'Ivoire. Mais quand le PSG est en difficulté, mais c'est pas c'est où tu jouais, ils étaient en difficulté là. Ils sont venus te chercher dans un jet privé en Libye. Et tu es allé
À la fin du match, tu as qualifié ton équipe là-bas. Or, la Côte d'Ivoire n'a pas pu gagner le match. Mais comme Dieu ne dort pas, on a pu se qualifier. Toi, tu es une merde. Il faut que tu le dises. Donc, tu comprends. Même ton petit frère, Salomon Kalou. Mais toi, ton choix était que Salomon Kalou joue pour la Hollande. Tu n'as jamais voulu que Salomon Kalou là, il joue pour la Côte d'Ivoire. Tu as toujours voulu que ton petit frère joue pour la Hollande. Voilà la réalité. Alors, je vais te parler aujourd'hui pour te dire qui tu es véritablement. D'abord, tu n'as rien. Tu es nécessité. Tu vois, tu as été maire de Bavois. Maire de Bavois, là, tu penses que c'est par rapport à quoi? C'est parce que tu as du potentiel ou parce que tu as du mérite. Mais c'est grâce au football que nous tous, à l'époque, on t'a soutenu. Et puis, on a dit, on veut des Kalou à la tête de la mairie de Bavois. Ton concurrent, là, c'était qui? C'était Kone Zakaria. Tu te rappelles très bien. C'était Kone Zakaria à Bavois. Mais on t'a tout soutenu. Pourquoi? Pas parce que tu es politicien, tu n'es pas un politicien, tu es un footballeur. Mais on t'a soutenu pour le football. Parce qu'à un moment donné de ta misérable vie, là, ta vie de malhonnête et de traître, là, ta vie de tricheur sur le terrain, là, au moins tu as porté le maillot pour la Côte d'Ivoire. Tu comprends ou pas? Donc, nous, on t'a soutenu de ces fêtes. Donc, le football t'a donné la chance d'être maire. Le football t'a porté à la tête de la mairie de Bavois. Et le football a fait que tous les Ivoiriens, sans raison garder, t'ont soutenu bec et ongles pour que toi, tu puisses accéder à la tête de la mairie de Bavois. Voilà la réalité. Sinon, c'est pas pareil, tu as du potentiel. Toi, tu cours derrière mairie. Mais si Ado même lui-même décide de prendre sa retraite, que Drogba dit qu'il est candidat à l'élection présidentielle, il prend ça haut les mains. Je te rappelle qu'au Libéria, là, George Weah, là, c'était pas un politicien. C'est le football là qui a fait, et puis les gens l'ont porté à la tête du Libéria. Tu comprends? Parce que les gens savent te reconnaître ça. Mais toi, tu es qui? Toi qui as été avec un coéquipier qui est Didier Drogba. C'est toi qui le jalouse. C'est toi qui le combat. C'est toi qui le méprise. Mais on se pose des questions. Nous-mêmes, on se pose des questions. Tu vois ce qu'il veut dire ou pas? Drogba lui-même, il se présente à la mairie. De va voir face à toi. Il t'écrase avec mention très bien. Même une voix, tu ne vas pas avoir. C'est ton oncle, même tes oncles n'ont pas voté pour toi. Tu comprends ou pas? Si lui-même se présente à va voir. Mais c'est le crève la fin là, qui court derrière mairie. Tu es un crève la fin pour quelqu'un qui a été footballeur, dit-on. Quelqu'un qui dit qu'il a joué au football, qui a eu une carrière internationale. Et puis ça va être mais mon frère, tu es échoué dans ta vie. Voilà la réalité, tu n'as rien, tu n'es rien. Tu as une misère morale tout simplement. Parce que des footballeurs, tu es devenu quoi? Mais. C'est-à-dire qu'un personnage pacotille, un personnage en papier carton. Voilà ce que tu es devenu. Tu comprends ou pas? Donc, tu n'es pas le gars de Drogba. Tu n'es pas le gars de Drogba. Ton petit frère, Salomon Kalou, je vais te montrer une vidéo. Salomon Kalou, là. Tu sais qui a fait de Salomon un milliardaire? Est-ce que tu sais qui a fait de Salomon un milliardaire? Salomon Kalou, là, c'est parce qu'il a joué dans l'ombre de Drogba. C'est parce qu'il a joué avec Drogba qu'il rapportait les primes que les joueurs de Chelsea rapportaient. Parce que tu peux être bon dribbleur, tu peux faire ce que tu veux sur le terrain, mais ce que le coach et les supporters recherchent, c'est les buts. Et celui qui offrait les buts à Chelsea, celui qui marquait pour Chelsea, il s'appelle Drogba. Donc Drogba a contribué à beaucoup dans le sort de ton petit frère. Si ton petit frère a eu l'argent là, si ton petit frère a même été classé sur le terrain là, c'est parce que Drogba là, il était dans le cœur de José Mourinho. C'est Drogba qui a pris son entraîneur et puis l'a envoyé en Côte d'Ivoire. Toi, tu as envoyé qui en Côte d'Ivoire? Toi, tu as envoyé qui en Côte d'Ivoire? Rien du tout. Drogba, il sait qu'il est ivoirien. Scalugno est ivoirien. Et son petit, là, il a tiré comme ça pour évoluer avec lui. Il a pris Scalugno et puis il a fait évoluer Scalugno et lui. Donc, si Scalugno, là, il a l'argent aujourd'hui, là, et puis toi, le footballeur coulé, là, il venait t'aider, là. C'est un nom, c'est Drogba. Donc, Drogba a nourri ta famille. Drogba t'a nourri toi. Parce que ton petit frère, là, tu le raquettais. Puisque tu n'avais rien. Tu n'avais plus rien. Ton petit frère, là, t'a nourri. Et c'est grâce à Drogba qui t'a nourri. Donc, tu es un ingrat, tout simplement. Je vais te montrer ici Drogba et son équipe en train de venir sur le terrain. Tu vas voir que ton petit frère va descendre du comment on appelle ça. Il va descendre du car incognito. Il n'y a personne qui a dit son nom parce qu'on ne le connaît pas. Mais quand Drogba descend là, tu vas voir ce qui va se passer. C'est pour te dire que si ton petit frère a eu l'argent là, c'est un nom, Bagbadé. Si ton petit frère a eu jeton, c'est un nom, Didier Drogba. Donc au moins là, moi je ne suis même pas sûr que Salomon Kalou, il puisse te soutenir dans ta bêtise là. Tu es un malheureux frère, tu n'as rien. Tu es un aigri, un envieux. Toi, tu as eu quelle carrière comparée à Drogba? Tu as joué quel football comparé à Drogba? Toi, tu peux venir en Finlande et puis les gens vont crier. Ou bien, tu peux aller en Suède, les gens vont crier. Même à Paris, tu vas aller et puis les gens vont crier. Tu as passé incognito.
Parce que tu n'es rien. Tu n'es rien, tu ne représentes rien. Tu sais, il y a des gens aujourd'hui qui ne jouent plus ballon. Il y a les Maradona qui sont décédés, qui ne jouent plus ballon. Pelé est décédé. Mais jusqu'à aujourd'hui, là, leur nom, là, ça a régné jusqu'à la fin du monde. Sur le football, leur nom va régner jusqu'à la fin du monde. Drogba, il vit. Mais même s'il n'est plus de ce monde un jour, là, son nom va régner sur ce monde, dans le milieu footballistique, jusqu'à la fin du monde. Voilà la réalité. Mais toi, ton nom, il est où? Ton nom, il est éteint. Donc, il y a des gens qui, naturellement, sont les lumières. Tu comprends ou pas? Et toi, tu veux lutter contre cette lumière-là. Toi, qui es un sorcier. Toi, tu es un sorcier, tu es un envieux. Donc, tu ne peux pas éteindre la gloire de Drogba. Arriver à Drogba, c'est que Dieu a prédit pour lui. Tu as compris ou pas? Te mettre avec Idriss Diallo. Idriss Diallo a quelle compétence pour le football? Quand on voulait vendre la CAN à Dubaï, là, c'est Idriss Diallo qui allait parler là-bas. Ce n'est pas Drogba, ils ont pris pour aller à Dubaï. Même le président de la République, s'il y a un grand événement, et puis on doit aller représenter la Côte d'Ivoire, il va prendre Drogba dans son jet là, pour dire allons-y. Ce n'est pas Idriss Diallo qui va prendre. Même pas toi, Kalou, parce qu'on ne te connaît pas quelque part. Drogba, il va à la maison blanche, il rate. Toi, tu vas à la maison blanche, ils vont te chasser comme un manquerien. Ils vont te chasser comment on appelle ça, chat quand tu es chasseur souris. Tu comprends ou pas? Donc, tu n'es rien. Tu jalouses le monsieur, tu l'envies pourquoi? Quelqu'un qui a conçu ton petit frère, quelqu'un qui a apporté du bonheur à ton petit frère. Avant de te montrer la vidéo de ton petit frère, il va te parler de toi. Quand il dit que tu n'as rien là, il va te démontrer ça. Alors, chers camarades, pour connaître l'argent des célébrités là, ce n'est pas compliqué. C'est ceux qui sont en Côte d'Ivoire là qui ne savent pas. Donc ici là, il va te montrer quelque chose. Tu vas voir. Je vais aller chercher la fortune que Drogba a réalisée quand il jouait au football. Voilà. Et que toi, tu as réalisé quand tu jouais au football. On va chercher ensemble. Ça n'est pas compliqué. Voilà. Tu vois ici, quand il tape Rihanna Network, on dit quoi? Elle a 1,4 milliard de dollars. Tu comprends ou pas? Et il y a sa photo qui est là. On met sa fortune et à sa photo. Après Rihanna, ton petit frère Salomon Kalou. Voilà sa photo. Il a réalisé quoi? 11 millions de dollars. 11 millions de dollars parce qu'il a joué à Chelsea. Il a joué à Chelsea avec un Drogba qui faisait gagner l'équipe. Il a joué à Chelsea avec Drogba qui faisait remporter des trophées à Chelsea. Donc, il a eu la chance de se trouver là au bon moment avec l'homme qu'il fallait. Donc, il a eu 11 millions de dollars. Et puis, il y a sa photo. Yaya Touré, 70 millions de dollars. Il y a sa photo. Tu comprends ou pas? Didier Drogba, 90 millions de dollars. Il y a sa photo. Samuel Eto'o, 95 millions de dollars. Il y a sa photo. Bon, toi maintenant, on voit pour toi. Voilà. Regarde. Même Moro Kassé. Regarde, mais tu sois en cliché. Tu sois en blanc noir. Tellement tu n'as rien. Et que football là, ça t'a rien donné. Moro Kassé, mais tu n'as pas. Ton petit frère, on met sa photo. Et puis on met ce qu'il a, il a rapporté. L'argent qu'il a eu là, on met. Toi là, même si c'est Franck Kassé, on ne met pas. Tu sois en blanc noir. Regarde. Blanc noir. C'est Degué, ils ont mis devant Popito. Tu connais Popito, non? Popito est Degué. Tu as eu Popito ici, puis tu as eu Degué. Un pecto. C'est toi qui as parlé de Drogba. C'est ton camarade. Regarde ici. Et puis, ce qui est bon, c'est que tout est renseigné. Les gens ne mentent pas. On dit que tu es né le 12 janvier 1976. Vieux là. Regarde-moi ce vieillard là. Voilà, on dit que tu es né en 1976. Regarde ici, hein. Ils vont nous parler de ta fortune. On dit, ta fortune a considérablement... Un instant, s'il vous plaît. Hey, toi, tu ne me connais pas encore. Tu as lu-le. Voilà. On dit, ta fortune a considérablement grossi, grimpé en 2022 et 2023. Tu vois, non? Voilà ça, il faut lire. Voilà. Ta fortune a considérablement grimpé entre 2022 et 2023. Champion, en 2022 et 2023, tu ne jouais pas ballon. Donc, comment ta fortune peut considérablement grimper? Et ici, ils ont mis maintenant entre 1 million et 7 millions de dollars en 2022 et 2023. Donc, l'argent de Côte d'Ivoire, là, c'est ce que vous voulez à la FIFA, là. C'est ça qui a grimpé là. Quand tu as fait ton complot de FC Rouage, FC Sorcier, donc, tu as maintenant entre 1 million de dollars et 5 millions de dollars. Parce que de 2022 à 2023, mon frère, tu ne jouais pas ballon. On ne nous a pas dit
que la fortune de comment on appelle ça, de Didier Drogba a considérablement grimpé en 2022-2023. Didier Drogba, il a la retraite, il ne joue plus ballon. Toi aussi, tu as la retraite, tu ne joues plus ballon. L'argent l'a quitté où en 2022-2023? C'est l'argent du complot. Tu comprends ou pas? L'argent du complot, l'argent de la manipulation, l'argent du FC Rouage, tu n'as pas honte. C'est à cause de ça là. Tout ça là, c'était pour ça là. Tes camarades, ils n'ont pas eu besoin de FC Rouage. Quand on met les noms là, mais leur fortune qu'ils ont eue. Toi, tu as eu quoi? Rien du tout. Tu as une nécessité qui coûte derrière poste de municipalité. Mais même à Bavois, tu as réalisé quoi à Bavois? Toi, me dis, tu es un footballeur. Et puis, regarde le terrain de Bavois. Attends, tu es prêté le terrain de Bavois. Je te prêter le terrain de Bavois. Parce que normalement, la sanité bien ordonnée, là, ça commence par soi-même. Donc, si tu es un footballeur, normalement, tu dois arranger le terrain de Bavois, puisque tu es un footballeur. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Mais regarde ici. Regarde le terrain de Bavois. C'est stade municipal, hein? Municipal de Bavois. Tu ressembles à Roger Mbia. Voilà, Bilal, toi, tu ressembles à Roger Mbia. C'est la seule raison où je joue le ballon, là. Toi, tu amènes, toi, tu combats Drogba, là. C'est la salle là que les gens jouent ballon. Ici, là, on a Bavois. Ça, c'est pas voir. Attends, toi, tu combats Drogba. Tu dis Drogba, là, quand il crée des clubs. Bon, il crée des clubs, il va jouer au football là où? Si ton terrain n'est pas voir là, terrain marécageux là, où il y a le crocodile là, terrain où il y a le crocodile et pitot à l'intérieur là, c'est là-bas, il va aller jouer ballon. Mais frère, il faut avoir pitié de Bavois. Ton bilan à Bavois, c'est lequel? Tu as été maire, non? Toi qui as traité les gens de transhumance politique. Non, ceux-là, c'est des vendus. Ils étaient ici, ils sont allés au RHDP pendant la désobéissance civile. Tu as soutenu Solo pendant la désobéissance civile. N'est-ce pas? Mais je suis surpris de te voir aujourd'hui avec Johnny partir au RHDP. Ah donc, tu es RHDP. Ah donc, nous les vendus là, tu avais nous trouver sur le marché où on paye les gens, où on paye les idées. Le marché où Ado paye les activistes et puis paye les idées. Il paye les hommes politiques. Toi, tu es venu là aussi. Misère morale. Tu n'as pas honte, hein? Toi, tu connais la honte. Que transhumance politique, les transhumances politiques, toi-même là, tu es papa dans deux fois transhumance politique. T'as compris? Tellement tu as fait et que tu as échoué dans ta misérable carrière de football. Maintenant, là, c'est devenu politicien. C'est devenu venir manger dans la politique. Manger l'argent du peuple. Eh, hey, Va voir Yako, hein. Ils ont eu tort de t'avoir soutenu. Parce que toi, contrairement à Didier Drogba, là, Didier Drogba, lui, là, il ne veut pas pour courir derrière le budget de la FIFA. Budget de la FIFA, c'est quoi? C'est un multimilliardaire champion. Son argent, la faut multiplier en France, c'est pas. Et puis là, vu qu'aujourd'hui, il y a les partenaires, il fait ses affaires. Toi, tu as quel partenaire? Tu fais quelle affaire? Politique. C'est politique qui appelle affaire, là. Marmailleur que tu sois. FC Rouage. Dans FC Rouage, tu portes quel numéro? Ah, je suis sûr que tu portes le numéro 10. Et Zokola, le gris, l'homme qui a mis tout son jeton en fesses des femmes, là, lui, il est le numéro 9. Et lui, le numéro 9, c'est pas le courir derrière les petites filles d'Abidjan, là. Et puis là, ça en somme. Vous êtes tous des frustrés. Tu portes quel maillot dans FC Rouage, là? Être gourou, tête de biche, vous n'avez même pas honte. Tu n'as pas honte, frère. Donc, c'est pour te dire, si vraiment tu aimes le football et que tu es footballeur et que tu veux faire la leçon de morale à quelqu'un, commence par donner l'exemple. À Bavois, là, il faut construire un stade. Si c'est Bakongo, si c'est Ibrahim Bakongo, il n'est pas footballeur. Il était maire comme toi. Mais va voir le stade municipal qu'il a déposé à Koumassi. Va voir le stade qu'il a déposé à Koumassi. Il y a des mois, lui, là, de Sukoula, quelqu'un qui dit qu'il est footballeur et qui ose faire la leçon de morale à Drogba. Et puis, tu donnes stade porte-à-porte, mais rempli de crocodiles, elle est caïman alligator. Tout ça, là, pour Bavois. Bavois, t'as fait quoi? Bavois a fait quoi pour mériter ça? Tout ce qu'ils ont fait, là, ils ont vu un footballeur, on lui donnait sa chance. Parce qu'il a replanté la Côte d'Ivoire à un moment donné. Même s'il trichait sur le terrain. Sale tricheur. Mais tu es un tricheur. Là, la réalité. Et puis, toi, tu peux rien nous dire. Parce qu'à la ci-dessus, là, ta famille était la plus pauvre. Tu connais, non? Tu sais là très bien où on était à Niégré, là. Tu vois, quand je dis Takou, où tu habitais, tu vois, derrière la clinique Bethesda, là, il y a un parking. Le parking, là, ta maison, là, c'est en bordure du parking. Ta maison, là, c'est en face, comme ça. Tu as compris ou pas? C'est quand vous avez commencé à jouer ballon que vous avez modifié la maison de votre papa. Je ne vais pas saluer la mémoire de ton père ou quoi que ce soit, mais c'est pour te dire que même riz, tu n'avais pas pour manger. Même du riz, là, tu n'avais pas pour manger. Tu es un personnage hautain, un personnage imbu de sa personne. J'ai dit, j'étais une fois assis au carrefour à Kadjouba, lorsque tu garais ta voiture en plein milieu de la voie, même pas pour, en bordure de voie, en plein milieu de la voie, et tu es descendu. Les bacs étaient derrière, tu as garé ta voiture là, parce que tu es trop calou, et tu es rentré dans la pharmacie à Kadjouba là, pour aller voir une chérie, et puis tu es revenu.
et tu prends, tu as pris ta voiture, une RAV4 et puis tu as continué. C'est vrai ou c'est faux? La petite que tu mougoussais dans le couloir, qui est aujourd'hui au Canada, là, son père était insulteur, là. Son papa me réparait les téléphones à un moment donné, en face de la clinique, en face de la pharmacie à Kadioba. Tu veux qu'elle dise son nom? Elle n'a rien fait. Voilà pourquoi il n'est pas la cité ici. Tu comprends ou pas? Et puis à l'époque, j'ai appris que tu sortais avec Michel, la fille d'Agos. Il y a un douanier appelé Agos qui était à Wangolo qui est décédé là. Apparemment, tu sortais sa fille. Mais toi, tu es malhonnête. C'est-à-dire qu'on te connaît. Ta famille, là, elle était la plus malheureuse à la cité ici. Donc, celui qui a contribué à vous aider, là, il s'appelle Drogba. Celui qui a fait de ton petit frère un multimilliardaire, il s'appelle Drogba. Sois un peu reconnaissant. Tu as compris? Sois un peu, un tout petit peu reconnaissant. Je vais te planter ici une vidéo. De Baba de la légende. Voilà, ce n'est pas ton camarade de frère. Les Ivoiriens l'aiment naturellement. Mais pourquoi tu veux t'opposer à l'amour? Tu vois quelque chose, il y a amour dedans. Tout le monde aime quelqu'un. Toi, tu dis que tu n'es pas d'accord. Mais quand on aime quelqu'un, c'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui est là-bas. Tu comprends pas ça, Aubert? Les gens naturellement aiment quelqu'un. Ça veut dire que Dieu a sa main. Dieu est venu là. Mais toi, tu n'es pas prêt. C'est que toi, tu viens de Lucifer. Voilà la réalité. Alors, c'est comment Africa peut les Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Il y a présenté quelque chose à ce monsieur-là. Et puis après, j'ai plus mon allocution. Regarde ici. Ton petit frère, il va passer incognito. Incognito. Pour dire qu'on ne le connaît même pas. Sur cette vidéo-là, c'est parti. Viens te montrer ton petit frère. Personne ne va dire non à ton petit frère. Personne. Parce qu'on ne le connaît pas. On te parle de la légende, Baba Gay. Toi, tu es discuté. Voilà ton petit frère. Voilà ton petit frère qui arrive. Le voici ici. Faut regarder. Incognito. Tu as entendu son nom? Tu as entendu quelqu'un parler de lui? Faut regarder, mais le papa il arrive. Toi, tu es un comédien. Aïe, l'enfant du pays. Joli garçon, non, non. Woody, Woody. Voilà, il est arrivé. Regarde un peu. Toi, tu es un comédien. Faut dire, hé. Hey. Yeri. Toi, Kalou du FC Rouage, au fait, tu ne sais pas à qui tu as fait. Toi, tu ne sais pas à qui tu as fait. Mais dans le jeu dans lequel vous êtes, en courriez-vous, hein, ce n'est pas de l'amusement. Parce qu'aujourd'hui, on a vu clair. Et puis, il y a des faits d'anecdotes. Nous, on a commencé à rire ballon à cause de Drogba. Nous, on a commencé à s'intéresser au football à cause de Drogba. Sinon, ballon, nous, on ne regarde pas. La preuve, quand moi, il vient sur, pour faire vidéo sur les éléphants, là, je regarde leur nom sur Google. Je mets et puis et prend équipe nationale de Côte d'Ivoire 2023, 2024. Et puis on sort la liste. Et c'est en fonction de la liste. Je ne cherche pas à savoir qui a joué, qui n'a pas joué. Vous tous dans cette même équipe-là. Et puis ils vous allument. Tu comprends? C'est peut-être dit que nous, là, on s'est intéressé à l'équipe nationale du football au temps de Didier Drogba. Au temps de Drogba. Tu as vu notre petit frère? Il est passé incognito. On ne le connaît pas. Mais parce qu'il faisait partie de cette équipe. Mais normalement, si l'équipe gagne de l'argent, mais il va gagner aussi. Tu es d'accord ou pas? Lui, c'est lui qui a fait gagner l'argent à Drogba, mais c'est Drogba qui lui a fait gagner l'argent. C'est ton petit frère qui a fait gagner l'argent à Chelsea ou c'est Chelsea qui lui a fait gagner l'argent? Mais qui a fait gagner l'argent à Chelsea? C'est le maillot de qui on vendait cher à Chelsea, là. Faut arrêter ça, frère. Toi, on vendait tes maillots. Même Diallo n'est pas prêt pour payer ton maillot. Ton maillot, mais ton cadeau à Diallo, il ne prend pas. C'est Drogba qui va t'amuser. Et puis, tu viens parler de sa réaction. Mais frère, la réaction de Drogba est normale après la défaite des éléphants. Tu comprends ou pas? Les éléphants ont été repêchés comme celui dans l'eau guérie de Gagnon. Tes éléphants de Côte d'Ivoire, ils ont été repêchés comme celui dans l'eau, dans Marigot. Tu comprends? Tu appelles ça victoire? Oui, ils ont gagné, on a compris. Mais s'il n'y avait pas eu le Maroc, si le Maroc avait perdu, on faisait quoi? On allait faire quoi? Le Nigeria n'a pas été repêché. Hein? Les Maliens n'ont pas été repêchés. Mais vous avez vu le football qu'ils ont joué. Ils sont allés à la maison. Même s'ils ont perdu, ils sont allés la tête haute à la maison. Mais nous, là,
On a gagné, mais on est obligé de mettre drapeau du Maroc sur l'écran géant. On a gagné, mais on est obligé de prendre le drapeau du Maroc pour courir. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et le problème là, c'est au niveau de la Fédération Ivoirienne de football. Tu comprends ou pas? J'ai entendu dire que MS Faïk, on dit qu'ils vont réduire son salaire de 10 millions. Et puis, la même Fédération Ivoirienne de football là, dit que c'est des rumeurs. Bon, c'est sur Facebook, les gens parlent. Mais lui-même, MS Faïk, je n'ai pas commenté ça parce que je ne sais pas si c'est des affirmations avérées ou bien non avérées. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais j'aimerais te dire ceci, toi-même, MS Faye. Toi-même, tu nous as trahis. Tu as contribué à humilier les Ivoiriens au palais de la présidence. Quand ce masque gratuit, ce vendu-là, a été envoyé pour aller lire un discours politique. Parce qu'on a vu tout, sauf un joueur, on a vu un politicien qui est venu faire les éloges d'Idriss Diallo devant le président Ouattara. C'est Idriss Diallo qui était coach. C'est lui qui a classé les joueurs. Mais toi, tu as contribué à ça. Et même, tu as fait une déclaration pour dire que Idriss Diallo, là, tu remercies Idriss Diallo, ben c'est lui qui allait te chercher pour te donner ta chance. Ah ouais? Donc c'est nous là, c'est nous, on est bêtes quoi. C'est nous, on s'est battu pour que toi, tu sois titularisé là. C'est nous, on est bêtes, c'est nous, on est cons. Nous, on s'est battu parce qu'on veut les entraîneurs locaux là. C'est nous, on est mauvais. Frère, moi, s'ils veulent le cas te donner, il ne faut pas te donner. Mais tu étais au stade depuis qu'ils ont soulevé Idriss Diallo. Tu as vu ça où? C'est dans quel milieu du football? Toi, MS Faye, là, tu as vu ça? Toi, tu es au stade. Toi, tu as remporté le trophée. Et puis, on soulève Idriss Diallo. Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas été élu pour remporter la CAN. Qu'il est là aussi pour le football féminin. En football féminin, là, témoignage des femmes l'a fait pitié. Misère qu'il a fait vivre là-bas, là. Quand tu entends même, tu es scandalisé. Quand tu entends même les témoignages des femmes qui jouent au football, tu es choqué. Mais lui, il dit qu'il a été élu pour le football féminin aussi. Bon, toi, MS Faye, tu veux que nous te dise quoi? Vous comprenez? Donc, quand nous, là, on mène un combat, là, si on a amené le combat pour toi, ce n'est pas parce que tu nous donnes quelque chose. Hein. Non, c'est parce que tu es un Ivoirien. Et on a décidé de faire la promotion de nos valeurs, la promotion de nos élites, la promotion de nos icônes. Si nous, Ivoiriens, on s'est battu pour que toi, tu sois titulaire. Si nous, Ivoiriens, on s'est battu pour que toi, tu sois l'entraîneur de Côte d'Ivoire, il ne faut pas venir nous humilier pour faire la promotion d'Idriss Diallo. Idriss Diallo, ce n'est pas un modèle. Idriss Diallo, ce n'est pas un exemple. Il y a eu 4 milliards qu'ils ont détourné à la FIFA. Tu dis quoi? Il y a eu 4 milliards pendant les élections, ils ont détourné ça à la FIFA. C'est un voleur. Ou bien tu veux qu'on fasse les audits? Il faut qu'on fasse les audits à la FIFA. Donc c'est un groupe de voleurs. Voilà la réalité. Donc toi, tu ne peux pas soutenir l'imposture. Donc, Faye, il ne faut pas faire regretter nos choix. Il ne faut pas nous faire regretter nos choix. On t'a aimé, on t'a soutenu. Mais si toi, tu ne penses pas que c'est ton moment de gloire, ton temps de briller. Parce que Dieu aussi, là, il passe par les Ivoiriens pour te lever. Il passe par les Ivoiriens pour que tu touches ta gloire. Mais si tu veux rester dans l'ombre d'Idriss Diallo, nous, on va te vomir, hein, frère. Il te le dit ouvertement. Tu as compris? Non, pas combattre un monsieur pour toi et tu as venu faire la promotion de ce monsieur-là pour nous naguer. Je suis désolé. On ne va jamais accepter ça. On ne peut pas te lever pour un monsieur et puis toi, tu as venu le lever pour te faire petit. Pour nous naguer. Donc, s'ils veulent te donner 5 francs, c'est à ton niveau là-bas. Règle, c'est à eux. Il faut régler, c'est à eux là-bas. Maintenant, j'aimerais dire à ce, comment on appelle ça, à ce Kalou Bonaventure, ce vendu de Kalou Bonaventure, l'homme frustré qui a raté sa vocation, qui a raté sa vie de footballeur, qui est devenu politicien d'après lui, là. J'aimerais te dire, regarde ici, Didier Drogba, ce petit truc-là, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. C'est pas beaucoup. C'est une seule vidéo. Je te présente ici. Suis ça. Voilà. Je sais que tu es gris. Il faut boire de l'eau, ça va passer. Voilà. Mais il faut suivre la vidéo là. Regarde ici. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. J'ai dit que Chelsea là, c'est à lui. On dit Drogba, voici ça. T'as dit pas Drogba ton camarade. T'as pas lui là. Il faut pas chauffer notre gars. Hein. Et toi tu t'amuses. Toi, tu n'as pas la voix du héros. Tu n'es pas le Baïs au coup. Là, les gens. Oui, dis, oui, dis. Faut regarder. Et puis, regarde. C'est à lui qu'ils vont donner couple. C'est à lui qu'ils vont donner couple. Là, tu payes son camarade. C'est lui qui est là. C'est lui qui a pris la coupe.
Ton petit frère Salomon Kalou, là, c'est à cause de Drogba. Quand tu as parlé de Drogba, c'est ton camarade. Ton petit frère Salomon Kalou, si lui aujourd'hui, là, il peut dire qu'il a remporté, il a remporté Champions League, là, c'est à cause de Drogba. Ce n'est pas à cause de quelqu'un. Il le sait. Va lui demander, il le sait. Ah, lui peut parler de Drogba. Moi, je suis celui qui soutient Drogba. C'est toi qui es sorti. Sinon, ton petit frère, là, même il sait dans son âme et conscience que c'est Drogba ou rien. Il sait ça très bien. Faut arrêter ça, frère. Drogba, c'est une icône. Drogba, c'est un modèle. Drogba, là, son nom, là, tu ne peux pas éteindre ce nom. Son nom va régner pendant des décennies et des décennies sur le football. Ce n'est pas seulement sur le football ivoirien, sur le football mondial. Drogba, ce n'est pas ton camarade. Même aujourd'hui, quand on donne le ballon d'or, il est toujours invité. Mais il ne joue plus ballon. Mais il est toujours invité. Toi, tu invites là-bas. Tu as qu'à de rentrer même dans la salle. Ça, Kalou, tu as qu'à de rentrer dans la salle. Tu penses que ça va jouer, couler, découper, décaler là. Et c'est Zokora fusillé, sa tête chauve là. Vous pensez que c'est ça? Zokora peut rentrer dans la salle. Toi, tu peux rentrer dans la salle où on donne le ballon d'or là. Il faut respecter les gens. Hein. C'est là que tu racontes n'importe quoi. Qu'est-ce que Drogba t'a fait concrètement? Dis-nous, et puis on va voir. Ou bien, qu'est-ce que tu as réalisé pour la Côte d'Ivoire? Peut-être que le nouveau palais de la présidence, là, c'est toi qui as construit. Et puis, Drogba n'a pas construit ça. Il va falloir nous dire, j'ai construit le palais présidentiel. Là, on dit, ah, voilà ce que Kalou a apporté à la Côte d'Ivoire. Mais rien, c'est franc, tu ne nous as pas donné. Et tu nous emmènes. Tu emmènes les gens. Quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, pour aller lutter à Boaké pour la paix, là, c'est toi qui es parti là-bas. Mais c'est Drogba qui allait à Boaké pour la paix. Tu as compris? Même les rebelles, même, ils étaient fans de Drogba. Les rebelles, mais ils voient Drogba, puis ils sont fans. Toi, tu as parlé de quoi? Tu as quelque chose à nous dire? Prends ton argent, mange et puis ferme. Il faut fermer ta bouche là. Ferme ta bouche, parce que Drogba n'a pas besoin de ça. Ton budget de FIF là, ton salaire de FIF là, lui, il te donne ça. C'est toi qui as fait. Ton budget même de mairie de Vavois là, c'est combien? À la mairie de Vavois là, tu as combien comme budget là-bas? C'est à cause de ça là que tu cours. C'est toi qui as comparé à Drogba. C'est toi qui as parlé de Drogba. Même le budget de la mairie de Yopougon. Drogba, l'argent même que budget, que mairie de Yopougon là. Tu as venu parler de Drogba. Toi qui es dans une petite mairie à Vavois. Soyons sérieux, les frères. Donc, j'aimerais vous dire, tout simplement, vous pouvez toujours continuer de conspirer. Vous pouvez toujours continuer de comploter. Mais je vous dis, un jour, là, il va faire jour. Un jour seulement, il fera jour. Toi, tu penses que si les Ivoiriens, si on donnait la chance aux Ivoiriens de voter, de lire leur président de fédération, toi, là, tu allais avoir une voix. Ton Idriss Diallo allait avoir une voix. Ton Idriss Diallo a quelle expérience dans le football? On le connaît où dans le football? Un petit, comment on appelle ça, Roger Ounien. Un club de mafieux qui fait du chantage aux joueurs pour les recruter. Si tu ne joues pas, si tu ne viens pas le sol béni, tu ne peux pas jouer en sélection. Tu ne peux pas jouer en équipe nationale. C'est ça que tu veux pour le football ivoirien? Ah, je comprends. Toi-même, tu es un produit de sol béni. Tu es un produit de la SEC. Et ton Zokora, les gris, là. Mais celui Dorcas t'a loupé. Elle t'a loupé. Dorcas, si tu vois cette vidéo-là, c'est ton frère, Johnny Patiko. À l'époque, on se voyait. Mon, je crois qu'on a causé deux fois ou trois fois. Voilà. Au collège catholique Saint-Jean, il y a ma petite go qui était à. Comment on appelle ça même là? Où tu fréquentais l'enfant Jésus. Il y a ma go à l'enfant Jésus. Dans ta classe, il y a ma go là-bas. Voilà. Mais tu as fait un bon travail, un travail exceptionnel, un travail remarquable. Vraiment, je te dis merci. Parce que tu nous as montré véritablement qui est ce tigri et qui est ce rageux. Toi, Zokora Maestro, tu vois un peu, ta femme te laisse. Vois-tu que tu as acheté pour ta femme là? Tu t'en reprends. Toi, tu es un homme. Toi, tu divorces ta femme. Tu t'en prends une voiture. Dans l'amour là, tu l'avais acheté au vert. C'était du brigandage ou du marchandage. Ah, je comprends. C'est ce que vous faites à la FIF aujourd'hui, FC Rouage, sur les joueurs ivoiriens. Voilà, c'est-à-dire que pour être recruté, il faut payer l'argent. Donc, pour avoir l'amour de Cyril Dorcas, il fallait qu'elle accepte les Range Rover, elle accepte les X5. Mais quelle est partie là, tu as repris? Toi, tu as parlé de quelqu'un, tu n'as aucune dignité. Tu as compris? Un homme là, quand tu as donné quelque chose à une femme, quand tu étais avec elle là, quand vous vous séparez, mais c'est pour elle, c'est fini. Tu n'as pas à reprendre quoi que ce soit. Tu as compris? C'est les faibles et les lâches qui reprennent ce qu'ils ont donné à la femme. C'est quand tu as donné là, toi, tu peux payer ça. Son temps que tu as donné là, tu peux le payer. Elle t'a loupé. Parce qu'arrive aux mauvaises personnes, mais c'est qui elle est dû. Voilà la réalité. Donc, elle a fait un excellent travail. Et j'aimerais lui dire félicitations. Parce qu'elle et moi, c'est la même génération. Moi, j'étais à 16 ans, elle était à l'enfant Jésus. Voilà la réalité. Donc, chers camarades,
Voilà mon message pour Kalou. J'aimerais dire à Kalou, il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Parce que là où tu es en train de partir, là, un jour, tu vas payer cash. Un jour, là, tu vas payer cash. Un jour, ça te dépasser. Mais il n'aura plus de machine arrière. Il n'aura plus de machine arrière. Drogba, là, toi, tu le sais pertinemment. Drogba, il a apporté beaucoup dans le football ivoirien. Et il apporte beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Tu le sais. Donc, le fait de le jalouser, aller conspirer avec des gens pour des miettes. Mes frères, ces miettes-là, si vous, tous les joueurs-là, vous étiez rabattus du côté de Drogba, mais il allait vous donner des postes, vous allez manger. Comme tu as fait, j'allais manger. Il allait te donner un poste, j'allais manger. Tu as oublié d'aller derrière Idriss Diallo. Idriss Diallo, tu as oublié d'aller là-bas. Laisse ton propre frère avec qui t'a joué le football. Soyons sérieux. Chez nous, dans l'armée, tu ne peux jamais trahir ton collègue. Même en pleine guerre, quand ton collègue prend une balle, tu vas le porter parce que tu n'as pas laissé ton cadavre derrière. Toi, tu viens de laisser ton collègue derrière. Pour un certain Idriss Diallo, tu as trahi le football. Tu as trahi ta coéquipier. Et tu n'es pas le seul. Vous êtes beaucoup à être vendus. Haruna Dendane, c'est un vendu. Zokora lui-même, c'est le père des vendus. Vous tous là, vous êtes des vendus. Mais vous allez le payer un jour, tout simplement. Mais j'aimerais vous dire que le peuple de Côte d'Ivoire vous regarde. Et la volonté du peuple là, un jour là, ça s'appliquait à vous, de gré ou de force, ça s'appliquait à vous. Fédération Ivoirienne de football là, c'est pas la propriété privée d'Idriss Diallo, ça appartient à la Côte d'Ivoire. Et c'est l'argent du contribuable qu'on prend pour faire fonctionner cette fédération là. Donc c'est l'argent de nos impôts là, que la fédération prend pour jouer, pour fonctionner. Donc un jour là, on va vous dire, nous Ivoiriens, comment on veut que vous gérez nos impôts. On va vous expliquer, c'est un jour. On va te presser. Mais c'est pour te dire que tu es échoué. Tu n'es rien. Voilà. Google ment pas. Tu n'es rien même. Tu n'es rien. Te voici ici. Te voici ici, en cliché. Un pecto. Tu n'es rien même, frère. Voilà. Voilà ta carrière ici. On demande, tu as fait combien dans ta carrière? Il n'y a rien même. C'est toi qui as parlé de Drogba. Chaque homme africain peut le Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse Dieu Drogba. Que Dieu bénisse la République de Côte d'Ivoire. Et j'espère, en tout cas, que le combat dans lequel nous sommes engagés là, le combat dans lequel nous sommes inscrits, ce combat-là portera ses fruits un jour. On ne veut pas Drogba pour avoir quoi que ce soit. Comme on disait hier aux éléphants, on ne voulait pas qu'on les crie là-dessus là. Ce n'était pas pour partager les primes. Non. Les primes, là, ils ont pris soin chez leurs familles. C'est les enfants qui bénéficient, leurs familles qui bénéficient, leurs épouses qui bénéficient. Nous, là, ce qu'on a partagé à eux, c'est la joie. La joie est finie, non? Voilà, aujourd'hui, on est dans nos réalités de vie. Mais on ne voulait pas souffrir, on ne voulait pas avoir mal. J'espère que ces éléphants l'ont compris. Tu comprends? Donc, Salomon est Kalou Bonaventure. Quand nous, on demande à Drogba, là, ce que nous, on demande à Drogba, là, c'est parce qu'on veut que la Fédération Ivoirienne de football avance. Ce n'est pas parce que Drogba va nous donner des postes là-bas. On n'en a pas besoin. Mais on veut faire avancer le football ivoirien. Pourquoi pas un jour faire rêver, mais l'Afrique tout entière, comme le Maroc l'a fait au Mondial. Voilà pourquoi on soutient Didier Drogba. On ne soutient pas pour quelque chose. Toi, tu soutiens Idriss Diallo pour quelque chose, pour de l'argent. Ce n'est pas pareil. Tu as compris ou pas? Sois patriote, frère. Mets ton pays en avant. Il faut privilégier les intérêts de ton pays au détriment de tes propres intérêts, tes propres petits intérêts. T'as compris? Parce que si chacun voulait prendre ses intérêts, on n'allait pas construire une république. On n'allait pas construire une nation. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'est le camarade Johnny Pacheco contenu. Ciao, ciao. Ouais, puis Cyril Domoro, tout ça, c'est les vendus. Il n'y en a pas, au fait, ils sont tellement beaucoup. C'est vendu là. Donc, il y a Domoro, il y a, comment on appelle ça, il y a Zokora Maestro, il y a, comment on appelle ça, Kalou Bonaventure, lui-même, le père des vendus. Ce RHDP, il est devenu RHDP aujourd'hui. L'homme qui a combattu Ado. Que le 3, d'après lui, c'est un troisième mandat anticonditionnel. Aujourd'hui, là, il est dans le troisième mandat anticonditionnel. C'est lui qui fait l'apologie d'Ado aujourd'hui. C'est lui aujourd'hui là qui a voulu tuer Ado en 2020. Là. C'est lui aujourd'hui qui est devenu RHDP. C'est l'homme comme ça là qui combat Drogba. Tu penses que Drogba a besoin d'être politicien pour manger? Tu penses que Drogba a besoin de portefeuille de maire pour manger? Frère, tu as échoué ta vie. Tu as raté ta vie. Même ton petit frère Salomon Kalou, là. L'argent qu'il a là, c'est plus même que ton budget de mairie là. Tu as compris? Faut l'appeler, faut lui dire, tu penses quoi de Drogba? Il va te dire ce qu'il pense de Drogba. Tu es un lâche, frère. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Ciao, ciao.